Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un plat, un taboulé et de l'agneau rosé. Le taboulé est exprès juste pour l'agneau, le bouc que vous voulez d'agneau. On commence par désosser un bout, faire griller l'os des deux côtés. Vous le rousiguez si le gras est rance. Ça veut dire que c'est périmé. Regardez-moi l'état de cette viande-là. Faut pas jouer avec le feu, hein, ça vaut le jeter. Voilà, il n'y a plus d'os. J'ai dégraissé le maximum possible. Je me suis gardé la peau que j'ai aussi dégraissée. Ensuite, la viande, pas la peau, au mini robot coupe. Puis la touche pulse. Faut arrêter de lâcher avant que ça fasse une boule. Voilà. Alors j'ai arrêté au moment où ça commençait à faire la boule. Il n'y a pas besoin de plus. Puis on pèse. Il faut des steaks d'au moins 100 grammes. Si il y en a pas assez pour en faire un, vous le répartissez sur les autres. On les roule sous les aisselles. On va en faire des steaks. Alors moi j'adore la peau grillée. Alors vous mettez d'un côté, là où c'est plat, la peau. Voilà. Faut faire plus épais qu'un steak normal. Je parle des surgelés. Parce que ça cuit plus vite que le bœuf. Enfin, ça dépend de la pièce de bœuf aussi. On répartit la peau des deux côtés. Puis quand il n'y en a plus, on aplatit bien et on va les congeler. Il suffit de les séparer dans un sac congèle et les ranger à plat. Ben, au congèle. Une fois l'agneau surgelé dans un saladier, on pèse 100 g de carottes épluchées, 230 g d'oignons, une branche de blettes de 100 g, le vert, le blanc, tout, et 70 g de poireaux. Tout ça est paré, épluché. Maintenant, on va tout laver. Maintenant, on va émincer en commençant par les trucs fibreux, comme les blettes, le poireau, l'éminceur le plus petit. On met ça à droite de façon à couper les fibres. Arrivé à hauteur, on continue, on met des trucs durs, genre oignons, carottes. Voilà, j'ai tout émincé. Il y a le poireau qui se rebelle, on va l'émincer à la main. Voilà, maintenant on va mettre ça. On n'a qu'à vider dans le saladier qu'on s'est servi. Et on va hacher les légumes avec le cutter. Puis une fois en purée, on le pèse, ça fait 500 grammes tout rond. On met dans le faitout, on met aussi 300 grammes d'eau, puis on fait chauffer. On pèse aussi 300 grammes de semoule. On laisse cuire tant que ça pique, que ce soit le poireau ou l'oignon. Mélange là, on lèche la spatule, ça suffit pour voir. Quand ça pique plus et qu'il n'y a plus d'amertume, on éteint le feu, on met la semoule, on mélange. Quant au robot, avant que ça sèche, juste après que vous en avez servi, on le rince, il n'y a pas besoin de plus, ça sera propre. Quand la semoule est tiède, on débarrasse, on met dans un bac d'eau froide un quart d'heure, puis au frigo. Ensuite, il faut du jus de citron. Puis à l'aide d'une fourchette, on enlève les pépins. Puis on ajoute la pulpe, le jus, à la semoule. On mélange tout de suite. Vous avez qu'à mélanger la pulpe et le jus pour le peser. Alors j'avais acheté 500 grammes de citron. Il m'en reste un demi. Il vous faut mettre 144 grammes de jus de citron et de pulpe. Ensuite, on va tailler des tomates de taille macédoine.
Vous voyez la taille dans les boîtes. C'est entre mirepoix et brunoise. Donc à peu près 5 mm. Des cubes de 5 mm. Moi, je fais un quadrillage. Puis je penche et je fais des cubes ciselés. On garde bien le jus des tomates quand on la coupe. Donc après, ben, il me reste cette merdouille là. Bon, je vais prendre un couteau, je vais le hacher grossièrement, essayer de faire la même taille. En commençant par couper côté chair, pas peau. Alors, il vous en faut 355 grammes avec le jus. Hein. Ensuite, du concombre épluché lavé. On commence par faire des tranches d'un centimètre. On va faire des cubes d'un centimètre. Après les tranches, on fait les frites, puis les cubes. Alors, il vous en faut 300 grammes. J'avais pris un gros concombre. Il me reste ça. Ensuite, moi, j'ai de la menthe fraîche du congélo. Avec un couteau, je vais émincer le caillou. Sinon, de la fraîche, mais pas de sèche en tout cas. Alors, il faut en mettre 20 grammes de menthe émincée, hachée. Alors, on va saler pour vrai mélanger gouttière, commencer si nécessaire. Il vous reste à bien griller l'agneau des deux côtés, puis de le cuire rosé, c'est-à-dire entre saignant et à point. Il faut servir ce taboulé très froid. Mettez-le au congélateur, mais si y a besoin même, ça ira plus vite. Ça va aussi avec un steak haché. Et voilà, bon appétit!